Bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qui se passe quand on divise par 10, quand on divise un nombre entier par 10. Alors là, on va le faire pour des nombres un peu particuliers pour que ce soit plus simple parce que on va essayer de comprendre ce qui se passe donc de voir s'il y a une règle pour diviser facilement par 10. Alors, je vais commencer par cet exemple là. Si je prends le nombre 30 et que je le divise par 10, je l'écris comme ça, 30 divisé par 10. En fait, ce que ça veut dire, c'est que je vais prendre 30 objets et je vais regarder combien de groupes de 10 je peux former avec ces 30 objets. Alors, ce qui va nous aider, c'est qu'on peut écrire 30 comme trois dizaines. En fait, 30, c'est 10 plus 10 plus 10. 10 plus 10, ça fait 20, plus 10, ça fait 30. J'ai bien mes trois dizaines, donc j'ai bien le nombre 30. Et en fait, ce que j'ai fait ici, c'est découper le nombre 30, l'organiser en trois groupes de 10. Donc ce que ça veut dire, c'est que si j'ai 30 objets, je peux faire 3 groupes de 10 objets. Donc d'après ce que je t'ai dit tout à l'heure, 30 divisé par 10, eh bien, je peux dire que ça fait 3. Alors si on regarde un exemple un peu plus compliqué, par exemple celui-là, 110 divisé par 10. 110 divisé par 10. Je peux le faire exactement de la même manière. Ici, ce que je veux faire, c'est prendre 110 objets et regarder combien de groupes de 10 je peux former avec ces 110 objets. Alors, je peux faire comme tout à l'heure. 110, je peux l'écrire comme un certain nombre de dizaines. Hein. 10 plus 10, ça fait 20. 30, 40, 50, 60, 80. 90, 100, là on y arrive, et 110. Je vais recompter pour être sûr de mon coup. 10 plus 10 ça fait 20, plus 10 30, plus 10 40, plus 10 50, plus 10 60, 70, 80, 90, 100, 110. Donc là j'ai effectivement 110. Hein. Donc j'ai réparti le nombre 110 en groupes de 10 objets et si je compte combien j'ai de groupes, eh bien j'en ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Donc ça ça veut dire que 110 divisé par 10, eh bien ça fait 11. Alors là, je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter un petit peu, arrêter de faire des exemples et regarder ce qui s'est passé. On a divisé 30 par 10, et ce qu'on retrouve ici, c'est un 3. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, tout simplement, pour trouver le résultat, j'ai supprimé ce 0. J'avais 30 que je divise par 10, et j'obtiens 3. En fait, ce que j'obtiens, c'est le nombre qui est là. Le 3, qui était à la place des dizaines, on le retrouve ici, à la place des unités. Pour 110, c'est exactement la même chose. J'avais 110 objets, j'ai divisé par 10, et j'obtiens 11. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai supprimé le 0 qui était à la fin. Et ce que je retrouve ici, c'est ce 11 que je retrouve finalement ici. Alors, ce qui se dégage ici, c'est que pour diviser par 10, en fait, quand j'ai 30, j'enlève le 0. Quand j'ai 110, j'enlève le 0. Alors, si tu te rappelles un petit peu ce qu'on a fait dans la vidéo sur la multiplication par 10, on avait multiplié 2 par 10, 2 fois 10, et eh bien on avait dit que ça, ça faisait 20. Et en fait, on avait remarqué que pour multiplier 2 par 10, je prenais le 2 et je rajoutais un 0 à la fin, à droite du nombre. On avait aussi pris d'autres exemples, je crois qu'on avait fait celui-là, 13 fois 10, 13 fois 10, et ça, ça nous donnait 130, qu'on écrivait comme ça, et on avait remarqué qu'en en fait, on reprenait le nombre 13 et on lui ajoutait un 0 à la fin. Donc pour multiplier par 10, on avait vu qu'on rajoutait un 0 à la fin du nombre. Pour la division par 10, quand on a un nombre comme celui-là 30 ou celui-là 110 qui se termine par 0, eh bien pour le diviser par 10, il suffit d'enlever le 0 qui est à la fin. Alors on peut faire un exemple un peu plus compliqué, par exemple si je prends 7200, 7200 et que je veux le diviser par 10. Eh bien ça... Si on applique la règle qu'on vient de donner ici, eh bien, je vais prendre 7200 et je vais enlever le dernier zéro. Donc, en fait, ce qui me reste c'est 720. J'avais 7200 et ce qui me reste c'est 720. Voilà. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, de comprendre ce qui se passe avec les unités de numération. Donc, j'efface ça et je vais prendre le tableau des unités de numération. Voilà. Et donc on avait commencé par diviser le nombre 30, il est comme ça, et divisé par 10, on avait dit qu'on obtient 3. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le chiffre des dizaines ici a été décalé d'un cran vers la droite, et il est venu se placer donc à la place des unités. Et en fait, il s'est passé exactement la même chose avec le 0, il a été aussi décalé d'un cran vers la droite, et normalement, ici, on arrive dans la partie décimale, donc il faut mettre une virgule ici et le zéro viendrait se placer là. Mais en fait, on n'a pas besoin d'écrire ce zéro ici puisque 3,0 c'est la même chose que 3, donc on écrit tout simplement 3. Ensuite avec l'autre exemple, l'autre exemple c'était 110. 110, on l'avait écrit comme ça. Un 1 à la place des centaines, une centaine, une dizaine et 0 unité. Et on avait remarqué que le résultat c'était 11. Alors ce qui s'est passé, c'est exactement la même chose. Le chiffre des centaines a été décalé d'un cran vers la droite, il est venu à la place des dizaines. Le chiffre des dizaines a été décalé d'un cran vers la droite aussi et il est venu se placer à la place des unités. Et puis le zéro en fait, comme tout à l'heure, il est aussi décalé d'un cran vers la droite et il vient du coup dans la partie décimale se placer ici. Et en fait, comme je te l'ai expliqué, on n'a pas besoin d'écrire ce 0 dans la partie décimale, 11,0, c'est la même chose que 11. Donc c'est exactement ça qui se passe. Quand on divise par 10, chaque chiffre est décalé d'un cran vers la droite. Quand on avait multiplié par 10, on avait remarqué que chaque chiffre était décalé d'un cran vers la gauche et qu'on rajoutait un 0 à la fin du nombre. Ici, quand on divise par 10, c'est le contraire. Chaque chiffre est décalé d'un cran vers la droite. Alors, on va regarder ce qui se passe avec le dernier exemple qu'on a pris, si ça marche aussi. C'était 7200. 7200 qu'on avait écrit comme ça 7 milliers, 2 centaines, 0 dizaines et 0 unités. Et on avait vu que le résultat, c'était 720, 7 centaines, 2 dizaines, 0 unités. Et là aussi, il s'est passé exactement la même chose. Le 7 est décalé d'un cran vers la droite. C'était des milliers, ça devient des centaines. Le 2 est décalé d'un cran vers la droite, c'était des centaines, ça devient des dizaines. Et le 0 qui est à la place des dizaines est décalé d'un cran vers la droite, il vient se placer à la place des unités. Et puis ici ce 0-là est décalé aussi d'un cran vers la droite, mais ici c'est la partie décimale, donc on a un 0 normalement qu'on met ici, mais qu'on n'a pas besoin de mettre, puisque 720,0 c'est la même chose que 720.